naast initiatieven dat je sowieso doet om het welzijn te gaan bevorderen op de werkvloer, willen we eigenlijk de medewerkers bijkomend gaan ondersteunen om hun veerkracht te gaan versterken. En in dat kader werd het online platform rond stress en veerkracht ontwikkeld. Dat is gelanceerd geweest in het voorjaar van 2021, waar zowel medewerkers als leidinggevende informatie en werkmateriaal rond stress en veerkracht kunnen terugvinden. En arrivant sur la plateforme, j'ai découvert plusieurs sources d'informations, notamment des fiches d'aide, des exercices. Ça aide en fait parce que ça nous oblige à faire un plan d'action sur le long terme. On peut en être conscient, trouver ça très intéressant, mais c'est un peu comme les résolutions, les bonnes résolutions de début d'année, on les oublie vite. Tandis qu'avec un plan d'action, ça nous permet de travailler sur un long terme et d'avoir un meilleur résultat. Een ander stuk wat ik heel interessant vind is ook de mindset in verband met hoe ga je om met de reiziger. Elke keer ga je die reiziger open aanspreken, wat veel interessanter is dan dat je al een agressie in je stem hebt. En daar is mindset een heel belangrijk gegeven voor. Als je dan naar het platform gaat, dan krijg je eigenlijk gericht uitleg daarover. Je wordt je bewuster van. Oui, je conseille cette plateforme à mes collègues. Je pense qu'on a tous à y gagner, à augmenter notre résilience. On est tous confrontés au stress, que ce soit à la vie privée ou professionnelle. C'est juste un équilibre à trouver et la plateforme peut nous aider. Het is een weg om er naartoe te geraken en het helpt u gewoon om uw focus te leggen, zodanig dat je uiteindelijk tot resultaten komt.